tout le monde, c'est Hiti et bienvenue dans ce nouveau vlog. Et aujourd'hui on est à Port-Bou comme je vous ai dit hier soir. Oui, on est arrivé à Port-Bou hier soir. Franchement, la ville elle est stylée de nuit. Il y a une belle église, c'est trop joli. J'ai hâte de découvrir cette ville. On est sur une allée, elle est trop stylée. On voit que c'est bientôt Noël parce qu'il y a plein de guirlandes partout. On a bien dormi ici à Port-Bou sur une place où il y a des éboueurs qui sont passés ce matin pour vider les poubelles qui étaient juste à côté. Après le spot il est sympa, c'était calme. Devant c'est joli, il y a une petite guirlande de Noël et là-bas il y a de l'eau. Oui. On a bien dormi et là on va du coup découvrir, redécouvrir Port-Bou de jour et on va bouger au marché. Stylé, il y a plein de petits chefs-d'œuvre comme ça ici, mais il y a juste un gars, c'est qu'il y a écrit Nvenda ici. Ils ont aucun respect pour l'art, quoi. Moi, c'est la coupe qui a vu le truc. Le gars, il veut vendre son art, quoi. Du coup, on est allé au marché, mais en fait, il y a rien. Il y a juste des saucisses et deux poissons salés. Donc on va aller jouer là, juste là, au petit parc de jeux. Il est où ce parc? On a trouvé un super jeu avec la balançoire. En fait, on fait Indiana Jones. C'est ça, on fait Indiana Jones. C'est ouf, j'adore ce jeu. Les gars, let's go. Pas des haches quoi. Mais non. Regarde, mais quand c'est Manu, quand c'est Manu c'est pire. Quand c'est Manu c'est pire. Regarde, tu vas mourir. Ah t'es mort. Les gens, on quitte la France pour échapper aux gilets jaunes et qu'est-ce qu'on voit en Espagne? Un gilet jaune. Deux. Gracias. Gracias. Putain, c'est quoi ces escaliers fous, les gars? L'ascension des dieux, les gars! C'est quoi ces marches? C'est quoi ces marches? Scoui ça, ma copine, scoui ce langage. Ça va pas aller en Tahiti. C'est hot les gars, c'est hot, miama, c'est hot. Enfin, la fin du calvaire. C'est bon, on a fini les marches. C'est cool. On est arrivé à l'église Santa Maria de Port-Bou. C'est une église trop stylée. Mais en fait, comme d'habitude, eh ben c'est fermé. Voilà. Alors qu'il y a écrit que normalement le samedi et le dimanche c'est censé être ouvert, mais c'est fermé, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, il n'y a rien d'écrit. Du coup ben voilà, on va trouver quoi faire après.
Porbus, c'est magnifique, c'est joli, c'est calme. En plus, il y a beaucoup de choses à visiter. Si vous passez par la Costa Brava, n'hésitez pas à venir ici parce que c'est super génial. Et en plus, c'est pas fini, il y a encore d'autres choses à visiter. Et je suis toute excitée! Allez, suivez-moi à l'intérieur! Faut quand même que je regarde les marches hein, parce que j'ai pas envie de me casser la gueule. Il y en a plein de marches. En fait, Porbus, c'est la ville des marches. Si vous aimez pas les escaliers, ne venez pas. Il y a des escaliers quasiment partout. On arrive à la fin. C'est pas my kid, non? Ouais, c'est ça.